bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. C'est un plaisir de vous retrouver chez moi pour la troisième partie de ce dossier consacré à l'entraînement à la maison. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer des mouvements en visant à travailler vos jambes, en l'occurrence les quadriceps, les disques jambiers, mais également les adducteurs, les fessiers et les mollets. Alors il est à noter que l'intégralité des exercices que je vais vous proposer ne nécessite absolument aucun matériel. Donc vous disposez d'un home gym, d'élastique ou simplement de bouteilles d'eau, et bien tout le monde pourra profiter de ces mouvements, soit pour maintenir son physique ou pour éventuellement simplement rester en forme. Et enfin, je vous rappelle qu'à l'issue de la présentation de l'ensemble de ces exercices et d'un bref rappel technique, ce qui est quand même important, et bien je vous proposerai des schémas d'entraînement hebdomadaires selon votre niveau de pratique, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite la présentation de ces mouvements. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer par le travail des quadriceps avec en premier mouvement un très grand classique, il s'agit du squat. Le squat qui va solliciter vos quadriceps, bien sûr, vos ischios jambiers, mais également vos fessiers et vos lombaires. Enfin bref, un mouvement très complet. Au niveau technique, je vous rappelle, les pieds, écartement, largeur du bassin, vous gagnez un maximum au niveau des abdominaux, la poitrine est constamment sortie, les épaules en position arrière, le dos doit rester droit et vous adopterez une très légère cambrure. La position de la tête, quant à elle, doit rester droite. Ne regardez pas vers le haut sous peine d'inconsciemment accentuer votre cambrure. A contrario, ne regardez pas vers le bas, cela risquerait d'entraîner un arrondissement de votre dos. Donc la tête constamment droite. Et une fois dans cette position, le mouvement va consister à effectuer une flexion jusqu'à ce que vos cuisses atteignent la parallèle, voire légèrement sous cette dernière selon votre souplesse articulaire. Le tout étant d'éviter de descendre trop bas, ce qui risquerait d'entraîner un enroulement de votre colonne vertébrale lié à la rétroversion, ce qui pourrait occasionner quelques petits bobos. Donc encore une fois, la profondeur de votre squat doit être absolument assujettie à votre souplesse articulaire. Et enfin, il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en vous lestant, notamment avec ce fameux sac de sport que nous aurons rempli au préalable de bouteilles d'eau. En deuxième exercice, nous allons effectuer des fentes, fentes qui vont solliciter vos quadriceps, vos ischios jambiers et vos fessiers. Alors, un mouvement souvent mal exécuté qui occasionne chez bon nombre de pratiquants des douleurs au niveau de l'articulation du genou. Donc au niveau technique, effectuez ce grand pas, ne l'exagérez pas non plus sous peine de trop accentuer le travail sur vos ischios jambiers et vos fessiers. Gainez un maximum au niveau des abdominaux, la poitrine est constamment sortie et la tête et le dos bien droit. Et dans cette position, votre flexion de genou devra être initiée par une descente de votre bassin et de votre buste sur un axe vertical. Et j'insiste bien sur cette notion de verticalité. Ne projetez surtout pas le corps en avant, sous peine de trop fléchir le genou, qui se verra arriver littéralement au niveau de vos orteils. Et c'est là que vous risquez de vous faire mal. Donc encore une fois, c'est un mouvement sur un axe vertical. Alors pour augmenter la difficulté de cet exercice, deux options s'offrent à vous. Première option, vous effectuez des fentes classiques en vous lestant avec ce fameux sac à dos rempli de bouteilles d'eau. Deuxième option, vous pouvez faire des fentes bulgares qui consistent à poser la jambe arrière en appui sur une chaise ou sur un banc. Et c'est cette spécificité qui, par rapport à des fentes classiques, va réduire considérablement la contribution de la jambe arrière, rendant cet exercice un peu plus difficile. En troisième exercice, il s'agit du squat sumo, un mouvement qui va bien sûr focaliser le travail sur vos quadriceps, mais également solliciter vos adducteurs. Les adducteurs, ces muscles situés à l'intérieur de vos cuisses, qui une fois développés, vont vous apporter de l'épaisseur, du galbe, à ne surtout pas négliger. Au niveau technique, comme vous pouvez voir cette fois-ci, on va adopter un écartement de jambes bien supérieur à la largeur de hanche. Les pieds, quant à eux, seront pointés vers l'extérieur. Et dans cette position, et en respectant les mêmes consignes techniques qu'un squat, et bien vous allez effectuer votre flexion. Alors il est à noter que l'amplitude de travail sera potentiellement un peu plus réduite. Place au travail des ischios jambiers avec en premier exercice du leg curl allongé au sol. Et pour l'effectuer, vous aurez besoin de deux choses. D'un sol un tant soit peu glissant et éventuellement l'utilisation d'une serviette. Alors au niveau technique, comme son nom l'indique, vous allez vous allonger au sol. Et dans cette position, l'exercice va consister en laissant glisser vos pieds, à ramener les talons un maximum vers vous en contractant fortement vos ischios. Une forme de curl. Curl au fil duquel vous allez élever votre bassin jusqu'à ce que ce dernier soit aligné avec vos genoux et vos épaules. Et c'est cette flexion de genoux liée à cette extension de hanche qui va nous assurer de travailler nos ischios de manière optimale. En deuxième exercice, du hip thrust avec les pieds surélevés. Le hip thrust qui reste un formidable mouvement pour les fessiers et les ischios jambiers. Ischios qui seront ici davantage sollicités du fait de la surélévation de vos points d'appui.
Donc au niveau technique, hein, le haut du corps est allongé au sol. Vous allez poser vos talons en appui sur une chaise, vos mollets et vos cuisses formant un angle de 90 degrés. Et dans cette position, le mouvement va consister tout simplement à ponter, c'est-à-dire faire une élévation de votre bassin jusqu'à ce que ce dernier soit parfaitement aligné avec vos genoux et vos épaules. Le tout bien sûr en contractant fortement vos fessiers et en exerçant une forte pression de vos talons vers le bas. Alors il est à noter que vous pouvez augmenter la difficulté de cet exercice en l'effectuant en unilatéral, la jambe passive étant maintenue tendue. En troisième exercice, qui est d'ailleurs assez original, nous allons faire du leg curl unilatéral debout. Cette fois-ci, nos ischios jambiers vont être travaillés en isométrie. Alors très brièvement, l'isométrie, c'est un mode de contraction durant lequel le muscle va conserver sa même longueur. Aucun mouvement de rapprochement ou d'éloignement des insertions musculaires. C'est une contraction dite statique. Et pour ce faire, vous aurez juste besoin d'une serviette. Serviette que vous allez dans un premier temps plier en deux. À l'issue de quoi, vous allez fixer, bloquer les extrémités en posant dessus le pied de la jambe passive. Ensuite, vous allez placer le talon de la jambe active dans le creux formé par cette dernière. Et dans cette position, vous allez effectuer votre curl. Bien sûr, vous l'aurez compris, l'amplitude va être réduite. Votre mouvement va à un moment être bloqué. Et c'est à cet instant que vous devrez avoir cette volonté d'aller le plus haut possible en maintenant au maximum la contraction. Vous allez voir, c'est redoutable. Alors, il est à noter que vous pouvez varier la longueur de serviette justement pour changer cet angle de contraction. Alors, l'isométrie qui peut être utilisée à plusieurs escients, notamment pour les personnes qui ne cherchent pas l'hypertrophie mais qui veulent juste renforcer leurs ischios, et pour les autres, en méthode de pré-fatigue, vu qu'on va utiliser très peu de poids avec les autres exercices, ou alors en finisher pour achever vos ischios en beauté. Place au travail des adducteurs avec une mention spéciale pour cet exercice qui nécessite absolument aucun matériel. Pas besoin de Swiss ball, pas besoin de ballon, pas besoin d'élastique, juste besoin d'une chaise. Il s'agit du side plank Copenhagen, comprenez par là la planche latérale de gainage version Copenhague. Et avec ce mouvement, vous allez faire du pierre deux coups. Non seulement vous allez solliciter vos adducteurs en isométrie, mais également faire appel à toute la chaîne latérale en gainage, notamment vos obliques. Et vous connaissez ma position quant à l'importance cruciale d'avoir un bon gainage. Gainage qui, je vous le rappelle, doit être travaillé sur les trois plans, ventral, latéral et dorsal. Alors au niveau technique, dans un premier temps, vous allez placer votre coude à l'aplomb de l'épaule. Le pied de la jambe active va être placé sur la chaise. La jambe passive, quant à elle, va rester en suspension. À l'issue de quoi, vous allez faire une élévation latérale de votre bassin jusqu'à ce que le corps soit parfaitement droit et vous allez maintenir au maximum la position. Vous allez voir, ça va vraiment vous challenger. Et pour les personnes qui veulent s'essayer à cet exercice avec une version un peu plus simple, il est tout à fait possible de réduire le bras levier en posant non pas le pied, mais le genou sur la chaise. Et pour conclure cette présentation d'exercice, place au travail des mollets avec des élévations debout. Élévations debout qui vont surtout axer le travail sur les genoux. Et pour ce faire, vous aurez besoin soit d'une marche ou éventuellement d'un objet qui fera office de promontoire afin de bénéficier d'une bonne amplitude de travail, notamment sur la phase excentrique, sur la phase d'étirement. Au niveau technique, je vous rappelle, maintenez toujours une petite souplesse au niveau des genoux. Vous allez placer le tiers supérieur du pied sur ce dit promontoire. Vous allez monter le plus haut possible en contractant un maximum. Et sur la phase excentrique, vous descendez bien les talons afin de bénéficier d'un bon stretch. Et malheureusement, si vous n'avez pas de promontoire, si vous n'avez pas de marche, vous sacrifierez la phase excentrique en les faisant à même le sol. Et voilà qui conclut cette troisième présentation de mouvement. Encore une fois, c'est très loin d'être une liste exhaustive. Il en existe des tas d'autres. Ces derniers ont néanmoins le mérite d'être efficaces et de nécessiter absolument aucun matériel, car nous avons tous le droit de nous entraîner. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Je remercie également mon partenaire Prozis, Prozis qui livre d'ailleurs toujours. Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et enfin, je remercie mon sponsor, Inici, Inici qui est une société qui développe des applications mobiles de coaching sportif ultra personnalisable et sous abonnement. Pour plus d'informations, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de bons entraînements à la maison. Vivement le retour en salle quand même. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.